Hello tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien, ça y est, on se retrouve. Dernier épisode de Vice Versa, l'épisode 12. C'était une sacrée série. Mon coup de cœur vraiment s'est allé. Je l'ai découvert par cette série, du coup, que je ne connaissais pas du tout cet acteur. Et vraiment, c'est waouh, moi j'aime beaucoup, il m'a beaucoup touché, il était très émouvant. Et ça a été vraiment une vraie découverte. Pour Homme et Nanon, ben, je pense qu'en fait, c'était vraiment des personnages secondaires qui ont été là parce que, ben, on sait, hein, c'est des acteurs qui fonctionnent bien, qu'on aime bien, que voilà, qui sont très appréciés. Et qu'en fait, ils sont juste là comme pas figurants, mais voilà, il fallait plus se concentrer sur l'histoire de Pouen et de Talley. Et du coup, les écrivains, la production a décidé de plus s'intéresser à l'histoire de Pouen et Talley que celle de Homme et Nanon. On y va, épisode 12. On va voir comment ça va se terminer tout ça. Eh oui, j'ai hâte de voir d'ailleurs. Et puis, ben, n'oublie pas d'aimer cette vidéo, bien sûr, de t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. C'est le meilleur soutien que tu puisses me faire. Eh oui. Donc, on y va. Let's go. Allez, on a un petit récap. Donc en effet, c'est le dernier à retourner dans son monde, c'est Talley, ça y est. Il est retourné et ils se sont retrouvés dans la serre. C'est ça. Et ça, c'était cool, ça, c'était beau, c'était émouvant, moi. Moi, je trouvais ça très émouvant. Vraiment. Et normalement, ben, ils vont plus se quitter, normalement. Et ils se réveillent ensemble. Torse nu, ah bah, dans le même lit, ah bah bravo. Oh. Il a attendu, hein, Talley. Hein. Franchement, j'ai adoré Talley. C'est pour moi un personnage que je garderai en mémoire parce que c'est vraiment un super bon personnage. Et l'acteur qui joue aussi, il joue super bien et très attachant. Ah. Mais oui, vous êtes dans le même lit. Ah, ça va. Bon, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, mon Dieu, c'est quoi ça? Je pensais vraiment qu'ils allaient retourner dans l'autre univers. Ça y est, hein, il a repris sa place en tant que coloriste, c'est trop bien. Tellement de choses avant. Oh. Moi, j'aime pas le matin. Oh. Attends, je suis pas réveillée. C'est cool quand même de pouvoir les voir comme ça, torse nu et tout, hein? Ils commencent fort. Ah. Doux mais intense. Oh, mais c'est chaud! Il parle de sexualité là, hein? Vous serez doux? Ah. C'est ça, en plus il y a la laine du matin et tout. Alors la première fois que j'ai eu mon petit copain, moi je me suis vite levée pour vite me brosser les dents au début. Et je m'étais levée avant même qu'il se lève pour vite, vite, vite me brosser les dents pour être en mode tout frais et tout.
Et ça, c'est au début d'une relation, genre, où tu es tout, voilà. Ouais, mais le monde a dit là. Ils m'ont parlé vers où. On les voit bien torse nu, hein, ils sont beaux. Les gars, vous êtes magnifiques, hein. Mmh. Lui même propose ce petit gros sa dent et tout, c'est trop mignon, j'adore. Et ouais, il est beau, hein, l'acteur. Moi, en tout cas, je sais, je l'ai trouvé super beau, hein. L'acteur est très beau. Mais je préfère la beauté. Alors, c'est mon avis personnel. Hein. Je préfère la beauté de Talley que la beauté de Jimmy. Oh. Et j'ai l'impression qu'on va revoir un petit peu l'autre univers. J'ai l'impression, parce que j'ai vu quelques images. Donc je crois qu'on va revoir comment ça se passe. Donc c'est cool quand même. Oh. Ils sont beaux. Oh, j'adore le corps de Talley, moi. Ils sont trop mignons ensemble, franchement. Après tout ce qu'ils ont vécu, non, c'était triste, hein. Vraiment, moi, je trouvais ça triste quand Talley était resté là-bas et que malheureusement, il pouvait pas revenir. Il est resté un mois sur cette île. Oh, ça m'a fait de la peine. Oh. Là, on va de mignonnerie en mignonnerie, hein. J'adore. C'est magnifique. Oh, ils sont trop mignons. J'adore. C'est bien aussi de pouvoir les voir après. Pas une fois que le coup de foudre est passé, tout ça et tout. C'est trop mignon. Mais va évoluer en tant que couple, vous voyez. C'est bien. Comme vous savez, Bad Buddy, j'aurais aimé que ça continue, moi. Qu'on les voit, en fait, après. Comment ça se passe et tout. Mais bon, ça, c'est mon envie de voir Homme et Nanon partout. Oh, mais là, franchement, c'est trop mignon, hein. Ils sont adorables. C'est clair. Ils font un beau petit couple, j'adore. Bah maintenant, en plus, Pouen, il est plus seul, hein. Talley est là. Parce qu'il a perdu ses parents, hein, je vous rappelle, hein. C'est trop bien. Oh. Oh, c'est trop mignon. En plus, la petite musique douce et tout, c'est adorable. Franchement, j'adore. J'adore, 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 j'adore. Allez. On y va. Crystal clear. Ça commence bien. Il est en retard. J'adore. Oui, il est beau. Comme ça, j'adore. Vous pouvez écrire je t'aime par exemple. Hein? Mais il faut qu'il se concentre par rapport à la route. Hein. Il est beau. Ah, il y a toi, il y a... Oh, mais c'est romantique.
Bon, laisse-le se concentrer sur la route quand même, hein. Oh. Mais oui, on aime, on adore. Moi en plus, j'adore tout ce qui est romantique, hein. Donc oui. Oh. Encore, hein. J'adore ta... Oh. C'est trop mignon. J'aime beaucoup Jimmy, hein, de plus en plus, hein. C'est trop mignon. Mais c'était pas lui. Mais bon, il peut pas le dire, hein. Il peut pas le dire. C'est ça le problème. Il est allé dans un autre univers, tout simplement. Difficile à dire. Homme, franchement, il a déconné. Vraiment, hein. Heureusement qu'ils sont bien, ils l'ont repris, hein. Mais quand même, hein. Je suis dégoûté pour lui, finalement. Monsieur, ça va aller. Ça va aller. En plus, franchement, on lui donne le bon Dieu sans confession à Thalé. Hein. On sent qu'il est quelqu'un de bon et de gentil. Tu es mort. Ah ah. Waouh. Comment il sait ça? C'est bizarre, hein. Mais non. Oh, il y en a, il y a une association ici. C'était l'endroit où il faisait Fun Crédit. Waouh. Donc il y avait la même chose. Dans notre univers, il y a la même chose. Ah, mais c'est trop bien. Ouais, c'est bizarre qu'il n'y avait que dans un univers, pas dans l'autre. Oh, bah bien sûr qu'il peut le comprendre. Oh, c'est trop bien. Petit frère. Eh oui. Mais oui. Le pauvre. Mais vous savez, c'est bizarre, hein, quand même, hein. Ce changement d'univers, c'est bizarre quand même. Parce qu'en fait, tu peux échanger avec n'importe qui. Une femme, un homme, quelqu'un de plus âgé, quelqu'un de plus jeune. Le bisou. Oh. C'est mignon. Oh. Pourquoi il se passe de méchant? N'importe quoi. Il est gentil. Ah. À plus tard. Oh. Je pense qu'il est peut-être temps maintenant de vivre ensemble, les gars, peut-être. Hein, d'envisager de vivre ensemble. Parce que... Franchement, c'est possible en plus, hein. Il a un travail étalé, Pouane, bon bah oui aussi. Ah. Ah ah.
Ah, il va revoir des potes de l'autre monde. Mais dans l'univers de maintenant, je crois. La fille qui prenait des photos, je pense que c'est parce qu'elle veut un scoop par rapport à Pu'en comme il est acteur. Je pense que c'est ça. Je pense. Je crois que c'est ça. Ah ouais, non, mais moi, je pense que, franchement, ils devraient maintenant commencer à vivre ensemble. Vraiment. Oh, pardon. Oh, j'ai une Canon, moi aussi. J'ai dû acheter une imprimante. Pour mon travail, il fallait que j'en achète une. Et j'ai acheté une Canon aussi. Ouais. J'ai fait mes photocopies. Mes impressions. Voilà. Pour la semaine. C'est trop bien. C'est trop bien qu'il y ait l'association aussi dans cet univers. En même temps, ça devait un peu être normal. Mais il est beau, Talé. Il est magnifique. Moi, j'adore. Et Jimmy, il est très mignon, hein, dans sa façon d'être et tout. Il est adorable. Oh, il faut vraiment qu'ils vivent ensemble tous les deux. Hein. Ils seraient tellement mignons. Franchement, c'est un beau couple. Hein. Ah ouais. Il va se déguiser. Il a réservé le resto. Mon Dieu. Il a réservé tout le resto. Pour qu'ils soient tranquilles tous les deux. Ah, c'est abusé. C'est un truc de fou quand même. Hein. Il y en a qui ont des vies, on s'en rend pas compte. Hein. Parce qu'on est loin de vivre la vie qu'ils mènent. Non, il est mignon. Oh, encore la nourriture. Franchement, c'est trop mignon. On a envie de faire comme ça à Talé. Non, mais c'est vrai. Tellement qu'il est mignon. Service à table et tout. Non. Sur chariot. Pas tout de suite quand même. Il faut pas aller trop vite. Non, pas encore. D'abord, il faut que vous viviez ensemble. Ah. C'est une pochette de fin de crédit. Fin de crédit. Ouais, c'est leur dessin. Non, mais t'as l'air. Mais n'est-ce qu'une femme, non, ouais. C'est une bonne femme, non, ouais. Qu'est-ce que c'est? C'est les scripts qu'ils avaient. Il y a les t-shirts. Oh. C'est mignon comme attention. Et c'est vrai qu'il manque, hein. Les gars. Oh, il avait mis son t-shirt, c'est trop mignon. Il manque plus que les gars, en fait, hein. Franchement, je les aimais bien. Hein. Je trouve ça dommage. Ça serait cool de pouvoir avoir le choix, vous voyez, de décider si oui ou non tu veux rester dans cet univers ou repartir dans l'autre. Ouais, ça serait bien. Que genre à un moment donné, il y a un espace entre les deux univers qui permettent de se dire, ouais, soit on revient en arrière, soit on vous voyez, un truc comme ça. Peut-être qu'il resterait dans l'autre univers.
En même temps, c'est un peu compliqué avec la famille, mais bon. Moi, je pense que si il y avait la possibilité dans notre vie à nous de faire ça, j'aimerais bien aller dans un autre univers. Ouais. J'aimerais bien. Alors. On est en live. Ah ouais, 9000 personnes. Le nombre de personnes qui regardent. Oh là là, c'est énorme. Il est beau. Ah, c'est la photo. Qu'est-ce qu'il va dire? Oh mince. เดี๋ยวนะครับพี่อ่ะมาสไม่ใช่คำถามโปรโมทนะหมอคำถามโปรโมทนั้นอ่ะมีอยู่แล้วแต่ว่าอยากถามอันนี้ก่อนอ๋อแล้วเขาเล่นยังไม่พอนะครับเนี่ยเช้าเนี่ยก็วิเคราะห์กันเองนะเปิ้ลว่าคนในภาพเนี่ยคือผู้จัดการคนเก่าของเปิ้ลเซจิเหรอคุณเนี่ยปุ๊กกิ๊กกับผู้จัดการคนเก่าเหรอครับเอสกี้ว่าแฟร์เราเปิ้ลคือสปาผมว่า Je pense que c'est difficile pour un acteur. Ça doit être difficile. Une personnalité célèbre, de faire son coming out, c'est compliqué. Mais non, c'est trop bien. Mais non. C'est bien. Elle a bien réagi, c'est cool. Ouais. Elle veut avoir des infos. Ça se passe vraiment très 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 bien. C'est le grand amour. C'est très chaud parfois. Oh, j'adore. Il est mal à l'aise. Il rougit. Par contre, pour Poen, c'est compliqué par rapport à sa carrière. Il y en a certains, je pense, ça les dérange pas. D'autres qui laissent planer le doute. Mais peut-être certains veulent pas du tout, du tout, du tout, du tout le dire. Il y en a beaucoup, hein. Ah. Oh non. Son assistant, vous savez qu'il voulait pas que... C'est chiant. C'est bien d'en parler, moi je trouve. Parce que je pense qu'au final, il y a pas mal d'acteurs de BL, je pense, qui laissent planer le doute. Faut pas prendre position, vous voyez. Et que voilà, ils prennent pas, ils se disent pas soit gay, soit pas gay. Voilà, je pense qu'il y a, il y a beaucoup de ça. Mais c'est bien d'en avoir parlé. Parce que c'est important et je pense que ça touche beaucoup. Et après, par contre, on est d'accord, pas tous ceux qui jouent dans les BL sont gays. Attention, c'est pas ce que je dis, hein. Mais je pense qu'il y en a certains qui
laisse planer le doute pour justement pas. Pas dire. Mais en plus, c'est compliqué parce que Pouen a une certaine notoriété qui fait qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut, Pouen. Et non. Et non. T'es une personnalité. En plus, qui est super traqué apparemment sur les réseaux, sur Twitter et tout. Donc, le pauvre. Ah, c'est dur. C'est pas tout rose, hein. Et non. Comme. Pas si facile que. C'est pour ça que je pense que Pouen appréciait l'autre univers. C'est justement pour ça. Il était tranquille. C'était pas un acteur, il avait pas la pression médiatique, il avait pas tout ça. Et ça se comprend qu'il voulait pas trop montrer. Une semaine plus tard. Ah. C'est vrai qu'ils se sont vus entre temps quand même, parce qu'une semaine sans se voir, c'est dur, hein. Et sans parler. Non, t'as le. Mon petit allé. Elles sont longues les manches, hein. C'était les gâteaux qu'ils mangeaient dans l'autre univers, non? On va verra. On va verra. C'est là qu'on va voir ça. Ils ressemblent à Up. Ouais, c'est ça. Oh. Oh, c'est trop mignon. Tap. Oh. C'est fou, hein, mais certains disaient, à un moment donné, j'avais entendu, qu'on a tous un double quelque part. Oh. Ils sont là. Enfin, c'est pas eux, mais voilà, c'est les acteurs. C'est trop bien. Et toujours le sourire. Regardez son sourire, elle adore. Ah, c'est cool, ils travaillent dans la même boîte, du coup. C'est un truc de fou. Ça lui manque peut-être un truc d'ailleurs. C'est qu'ils étaient plus proches. Ouais. Non, c'est pas... Oh. จอมทัพแล้วนี่พวกนายสองคนสนิทกันเหรอใช่ครับนี่ทูเอ็มแอนด์ตัดต่อพวกเราเข้ามาพร้อมกันนะครับเดี๋ยวนะนายชื่อทะเลใช่ป่ะใช่ นี่นายรู้จักเราด้วยเหรอรู้จักได้ยังไงก็มีข่าวนายลงเต็มเยอะแยะไปหมดว่าคุณรู้จักกันอ่ะคือเรื่องนั้นมันเป็นไรนะทุกอย่างจริงๆพวกเราก็พอรู้กันอยู่ก็ไม่เปิดให้แสดงออกชัดเจนขนาดนั้นน่ะยังไงอ่ะ ก็มีช่วงหนึ่งอ่ะที่ตัวเองเขามาตามหานายทุกวันเลยขอโทษนะครับมีพนักงานที่ชื่อทะเลอยู่ไหมครับ Ah oui parce qu'il le cherchait Ah ils étaient là les deux Ok ดูเวลาตาก็รู้เนาะว่ามันข้างรักขนาดไหนทุกอย่าไปแซวเขาเสียดอราไม่เป็นไรนะทะเล Ça serait trop bien qu'ils deviennent amis avec eux. C'est bien. J'adore Top. Il est trop mignon. Il est très mignon. Bah oui, qui t'aime. Ah mince. Oh là là. ตกลงในรูปที่ถ่ายกับคุณปืนใช่คุณทะเลใช่ไหมครับใช่ไหมคะใช่ไหมครับให้คุณทะเลใช่ไหมครับใช่ไหมคะในรูปอ๋อแล้วก็ใช่ครับในรูปคือผมเองแล้วที่ปืนของแก้มคุณทะเลนี่เป็นเรื่องจริงด้วยใช่ไหมคะโอ้ล่ะสิเป็นกับหนูอ่ะจริงครับ
C'est pas comme nous en France où nous, pour se dire bonjour, on se fait la bise. Même entre garçons, certains. Ça dépend dans la partie de France. Mais... là-bas... c'est plus le vibe qu'on fait. Oh, qui n'étaient que des amis. C'est dur, hein, quand même, moi, je pense. Donc, vous voyez, moi qui pensais déjà qu'ils allaient vivre ensemble, tout ça. Ah. Oh là 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 là. Quand on pense que tout va être simple et tout au début, vous savez, ça commence, ils sont tous les deux là, torse nu, en caleçon dans le lit, tout va bien, c'est mignon, tout ça. Et puis moi qui pense, ah, ça serait bien qu'ils vivent ensemble. Après, allez, les problèmes continuent. Oh là là, c'est pas si facile que ça, hein, au final. Hein. T'es rentré dans ton univers, mais c'est pas évident encore, il y a encore des soucis. Et là, la notoriété de Pouen peut poser un problème. Bah oui, qu'il aime. C'est pour le protéger. Non. Mais non, mais n'importe quoi, mais c'est n'importe quoi ça, si vous vous aimez, après tout ce que vous avez vécu, non mais c'est une blague, mais non, prendre des chemins séparés, oh là, je déteste. งดรวมตัวนะคะวันนี้เดี๋ยวเราไปเจอกันที่งานเปิดงานหน้าพี่ค่ะอันนี้เป็นของขวัญจากหนูอยากให้พี่เราไว้ได้ไหมคะแต่ว่าวันนี้เป็นงานเฮ้ยไม่หรอกครับไม่เป็นไรพี่ขอบคุณนะครับอ๋อ je le déteste allez ouvre le mais je pense que ça vient de Pouet je pense que ça vient de Talé pardon. Oh là là, je déteste l'assistant. Regardez, il est dans la serre. Ah, travail ou amour. C'est compliqué, hein. Ça me fait penser un petit peu à l'acteur que j'aimais bien, Wentworth Miller, qui a caché son homosexualité pendant très longtemps. Je pense que c'est pour ça qu'il était bien dans l'autre univers. Il était loin de tout ça. Ah, compliqué. Moi, c'est le rose, mais je sais pas. Oh. Mais j'aime bien le blanc aussi. Tiens. C'est trop mignon. C'est beau. L'amour, bien sûr. Oh. C'est trop mignon. C'est vrai. Mais l'amour, quand même. Moi, je sais pas. C'est difficile, hein, ça, c'est sûr. Hein. C'est une question. C'est difficile. Oh là, son assistant, je le supporte plus. นั่นเป็นการหยอกล้อตามภาษาเพื่อนเก่าที่เคยทำงานกันผมขอยืนยันว่าระหว่างผมกับเพื่อนเราเป็นแค่เพื่อนที่ดีต่อกัน
C'est dur, moi, je trouve. Et lui, là, oh là là. En plus, il a pris son téléphone, il peut même pas appeler Thalé. Non, mais s'il a pas envie de l'oublier, c'est n'importe quoi. Ouais, mais s'il a pas envie, il a pas envie. Il va y avoir le cadeau de la copine de Thalé. Je suis dégoûtée, vraiment. En plus, franchement, cet épisode commençait très 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 bien. Malheureusement, ça se complique. Comme quoi, c'est compliqué. Hein. Regarde le petit mot. Je pense que ça vient de Thalé, je pense. Et que du coup, elle a pris... Elle a fait passer pour elle alors que ça vient de Thalé. Je pense que c'est ça. On va voir. Voilà. En plus, les petits là-bas. Ah oui, c'est comme sur le bob. Sur le chapeau qu'il avait donné. Alors, ouvre vite. C'est une clé USB. Je pense qu'il a fait une vidéo. Je pense qu'il a fait une vidéo pour lui parler en fait. Oh, c'est trop beau. On va voir. Oh, bonjour Poué. Est-ce que je l'aime tellement? Oh. C'est beau. Oh, c'est dur. Oh là là. Oh, c'est dur. Pour ta script ที่ พี่ปรึกษาผู้ใหญ่เลยนะ จะ พูด นอก บท นะ เข้าใจ ป่ะ Oh, on dirait moi et avec Nanon. Nanon, c'est bien sûr Jimmy. ใช่ครับเราแค่แกล้งกันเล่นๆ Je joue juste. Oh là là. แต่ความรู้สึกดีๆที่ผมมีให้เขาอ่ะมันคือเรื่องจริงครับ Wow. งั้นสรุปว่าคุณปืนเป็นแฟนกับคุณทะเลใช่ไหมครับ ยังไม่ใช่ครับ แต่ว่าเขาเป็นคนที่ผมรู้สึกดีด้วย แล้วก็อยากเรียนรู้ว่าเขาเป็นนานๆ Il a laissé parler son cœur en fait. C'est beau. C'est ça, mais sans... c'est ça. Oh, oh là là. C'est trop beau. Je m'attendais pas à ça. Oh là là, c'est dur. Oh. C'est avec la musique et tout.
Oh, c'était beau, mon Dieu, mais... Oh là là, là, je suis trop émue. Là, il y a beaucoup trop d'émotions, là, pour moi. En plus, c'est le dernier épisode, donc forcément... Oh non, c'est dur. C'est dur. Oh. Franchement. En plus, c'était beau, ce qu'il a dit, mon... Oh là là. Et ce qu'il a fait aussi. En gros, bah, il a dit qu'il aimait, hein. C'est magnifique. Oh là là. C'est ça. Mais c'est pour sa carrière, je pense. C'est ça, sur son travail. Qu'est-ce qui se passe? Ma mère m'envoie un message. Elle a besoin de me parler. Ah, par rapport à ça, bah oui. Ah. Ça va aller. Elle est gentille. Elle est adorable, sa copine. Vraiment. Oh, j'en étais sûre, il y a Pouen. Ah, j'adore. Oh. Il est là-bas avec le sourire et tout, c'est trop beau. Et c'est bien, parce qu'elle est grâce à un peu à elle, quand même. Oh là là, c'est trop bien. Mais tu as la permission, il n'y a pas de souci. Oh, c'est trop beau. Si je pouvais... Sortir de... Ah. Oh, la mer du pays, hors de l'univers. Ça, c'est déjà fait. Oh. T'as vu qui s'inquiète. C'est ça, exactement. T'es un grand maintenant. Oh. C'est ça. C'est comme chez lui. Oh, c'est trop bien. Oh. Mmh. Eh bien. C'est cool, franchement elle est trop bien la mère. Elle est trop trop bien. Ils vont cuisiner ensemble. Je sais pas si c'est le moment, mais bon. Ils vont cuisiner ensemble. Eh ben écoute. Elle est trop bien la mère, j'adore. Oh là là. Allez, ramen. Oh. Et allez, on enlève sa petite veste et tout, hein? C'est bien, on va peut-être avoir une nouvelle recette de ramen. En poireau. Qu'est-ce qu'il a mis d'autre? Des œufs. Peut-être avec un peu de jambon, peut-être. Peut-être. Qu'il a là? C'est mignon. J'adore avec ses lunettes sur sa tête, ça lui va bien. Franchement, c'est trop bon les ramen. Vraiment. Oh, en plus, ça coûte pas cher, sachez-le. Hein. Ça coûte vraiment pas cher. Et c'est super bon en fait. Et on peut mettre ce qu'on veut en fait à l'intérieur. Mais à la base, moi quand j'en mangeais avant, je mettais juste, vous savez, le petit sachet. Et je faisais souvent en soupe. Mais je savais pas qu'on pouvait mettre plein de choses dedans. Maintenant, je le sais. Mais j'aime trop, en fait, c'est trop bien. Pourquoi c'est si bon?
C'est trop mignon. Oh là là, il m'a ému tout à l'heure pour Pouen, hein. Oula. Il va se faire mal aux yeux. Il faut jamais essayer des lunettes à quelqu'un d'autre alors qu'on n'en porte pas. Oh, c'est trop mignon. Oh. Ils sont trop mignons. Franchement, j'adore. Moi, de toute façon, dès que c'est un peu romantique, tout mignon, j'adore. Oh. ไปบ้านได้แล้วไม่อยากแยกกับมึงเลยอ่ะไม่ปาจะคิดถึงแต่ reste avec lui มีแค่ไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยจะได้เจอกันแล้ว il peut rester arrête อีกตั้งหลายชั่วโมงนะฮะ pourquoi il reste il peut lui demande pas de resterC'est le sablier. Il en avait offert un. Oh. Et on va s'en faire maintenant, là. Waouh. On n'avait pas fait. On n'avait pas fait. Ah bon? Ah oui, donc il rigole encore. Oh, mais sacré Pouen, hein, c'est un blagueur. Mais oui.แต่มึงดูนี่ ça descend pas ทำไมทรายมันไม่ไหลรู้ไหมเฮ้ยกูเฝ้ารอมาที่มึงข้ามโลกมานานแค่ไหนกูไม่อยากให้เวลาต่อจากนี้ผ่านไปมึงไม่มีมือเลยโอ้โหนะกูอยากหยุดเวลาตรงนี้ไว้หยุดการเดินทางข้ามโลกของเราโอ้หญิงชายในโลกนี้โอ้เวลาดูอยู่คลื่นไหวนี้ไม่เงาอีกต่อไปอ๋อละละมันเชื่อคืนนี้ชื่อจะทุกข์โอ้ละละ j'ai pas beaucoup pleuré dans ce BLMais il y a eu des moments, vous savez, qui m'ont beaucoup émue. Il y a eu des BL où j'ai beaucoup plus pleuré que ça. Hein. Oh là là, c'était la fontaine, je pouvais plus m'arrêter. Until You Meet Again, par exemple. A Tale of Thousand Stars aussi, j'avais pleuré. Oh là là, il y avait des Bad Buddy aussi. Oh là là. Mais je crois que celui où j'ai pleuré le plus...C'est Until Meet Again, je pense. Je pense. Until Meet Again, ouais, je pense. Ou bien Hotel of Thousand Stars, je crois. Je sais plus. Mais j'en ai fait, vous savez, tellement des Boys Love maintenant sur la chaîne que, ouais. Là, je pensais qu'on allait les revoir parce que j'avais vu des images et on était dans l'autre univers avec toute la bande.Et c'est le... Peut-être. Je sais pas. Parce que c'est la dernière partie. Peut-être qu'on verra après. Moi, je leur souhaite vraiment que du bonheur à Thalé et à Pouen. Que sa carrière continue quand même. Vous voyez? Et que ça n'entache pas sa carrière. Voilà. Qu'il a fait son coming out. Qu'il a dit qu'il avait des sentiments pour Thalé. Et que... Ah! Rappelez-vous cet endroit?C'est l'endroit où il s'est réveillé. Il y a un monde qui est là. Non, c'est trop beau. Ça va pas, les gars. Ouais, je comprends. Et les gars aussi. Moi, c'est les gars qui me manquent aussi. Mais le roi, tout le monde est bien là-bas. C'est ça. C'est ça, mon. Mais après, on peut imaginer que tout aille bien.
คิดถึงพี่ดนดอนคิดถึงไอ้อัพอัพไอ้อูอัพชิตาฟิลอ๋อล่ะล่ะคิดถึงสมาคม beaucoup d'émotion แล้วก็คิดถึงนี่ด้วยรหัสลับตอบเข้าสมาคมที่เราต้องพูดกันทุกวันเนี่ยเออบางอันกูก็เกือบตอบไม่ได้นะอ๋อล่ะล่ะเออมึงงั้นมาเล่นต่อรหัสลับเข้าสมาคมกันเดี๋ยวกูพูดประโยคนึงแล้วมึงต่ออีกประโยคเอาดิมา j'adore ta lèvremองกูขนาดนี้เดี๋ยวกูจะจุกให้ล้มเลยเพราะมึงไม่ใช่หนังมันคือเรื่องจริงลองไหมลองมาเรียนรู้กันแม่ไม่ชอบกูมากก็ได้แค่เปิดใจแค่เปิดใจให้กันก็พอโอ้ c'est beau et en plus on se dit que c'est la fin vous voyez.Je sais pas si elles en refont un ensemble. C'est ça en plus qui est... C'est triste aussi. Parce que pour moi, je trouve qu'on vit un truc de fort à travers un projet comme faire un boys love. Les deux acteurs principaux vivent un truc fort entre eux et quand ça se termine, c'est dur. Oh là là. C'est clair, il y a longtemps qu'il t'a ouvert. Ben oui. Il est beau là, Jimmy aussi. Hein.ถ้างั้นต่อแต่เนี้ยโอ้โห ça faisait un petit moment quand même que c'était comme des petits amis hein déjà oh là là oh là là c'est dur ชีวิตของเราสองคนถ้าเป็นหนังมันก็คงจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแค่นี้ใช่ไหมครับแต่คุณก็รู้ว่าชีวิตของคนเรามันก็ต้องเดินต่อไปเอาซีรีส์ก่อนแล้วกันอย่างเช่นชีวิตดาราของไอ้ปืนที่คลั่งรักจนไม่ค่อยมีสมาธิทำงานหรือบางวันจู่ๆผมก็ฝันถึงเพื่อนๆที่โลกโน้นแต่ไม่มีสาเหตุผมฝันเห็นไอ้อัพกับไอ้อูกลายเป็นคนเขียนบทเนื้อหอมเดินสายรับรางวัลไม่เว้นวันแล้วก็ฝันเห็นเอคีตังกลายเป็นดาราดังมีแต่คนมาขอถ่ายรูปส่วนในฟิลก็ไปเรียนการแสดงอยู่เมืองนอกรอวันที่จะโกอินเตอร์ avec son chien บางครั้งผมก็ฝันเห็นไอ้ฟิลมันกลับมาไทยแต่เห็นทีไรมันก็อยู่ไปทุกทีโอ้โหยังไงกันนะพี่ป้องก็กลายเป็นร้านดังขึ้นมาสงสัยเพราะไอ้คีตาดาราดังชอบมานั่งกินใบบอดนอกจากนี้พวกไอเทสกับปะกอนก็กลับมารวมตัวเขียนบทหนังกับอัพโอวอีกครั้งแถมพล็อตมันโคตรจะคุ้นชื่อหนังของพวกมันคือรักสลับโลกถึงผมจะฝันเห็นคนอื่นเลยแต่น่าแปลกที่ผมไม่เคยฝันถึงพี่บัวดลเลยไม่รู้ทำไมมีบางวันที่ผมกับไอ้ปืนคิดถึงไอ้อัพไอ้อูมากผมก็จะเนียนพายปืนมาที่บริษัทเพื่อให้ได้เจอไอ้อัพไอ้อูที่โลกนี้แก้ขัดกันหลังจากนั้นชีวิตของผมกับไอ้ปืนเปลี่ยนไปมากไอ้ปืนเริ่มผันตัวมาเป็นคนเบื้องหลังมากขึ้นจนในที่สุดมันก็ตัดสินใจเปิดสตูดิโอเขียนบท Friend Credit พี่จุ๊บแจงเคยบอกไว้ว่าคนเราต้องข้ามโลกไปเพื่อเรียนรู้อะไรบางอย่างสำหรับผมมันทำให้ผมได้เรียนรู้ความรักจากคนที่ไม่เชื่อในความรักไม่คิดด้วยซ้ำว่าชีวิตนี้ผมจะมีใครสักคนแต่มันก็ทำให้ผมได้เจอไอ้เบิร์ดแล้วมันก็ช่วยเปลี่ยนชีวิตผมให้กลายเป็นสีชมพูไปตลอดกาลกูว่ามันขาดอะไรไปอย่างวะขาดหรอจะเป็นยังไงไม่ขาดนี่ไงชมพูพันทิพย์เชี่ยอีดีมอนส์นี่มันต้นชมพูพันทิพย์เวอร์ชั่นสูง25เมตรนี่หว่าอีดีอีมอนส์
มึงขอพออะไรเอ้ยไม่เสือกดิเอ้ยไม่เสือกสุดคืออ่านแล้วว่าแล้วมึงต้องอ่านคุกแก้วว้ายมีคนติดกับว่ะอ๋อใช่จ้ะจริงอ่ะอยู่นี่เว้ยอ่าฮะอ่ะกูให้อ่านC'est trop bien. C'est un arbre immense en fait. Je vais te dire, mon long bing qui l'a mis bon. Je vais te dire, mon lac, mon sang, pas. Waouh. Tu veux savoir? Je veux que tu aies un combat de terre, les mains qui sont bonnes. Yeah. C'est dur là cette fin. Moi je la trouve belle, très 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 belle. Oh là là, ça faisait longtemps que j'avais pas autant pleuré. Oh, c'est beau. Mais c'est normal en même temps, c'est la fin de quelque chose. Hein. Oh. คืนนี้เราสองคนมาสิครับมูจูแต่ดิ donc bah alors c'est un bonus ou c'est ah non c'est la pub c'est la pub pour les โอ้ยพี่ลูกเนี่ยหลายประเทศอ่ะพี่เดวินเขาก็แต่งงานกันโอเค bon bah vous pourrez le regarder moi je regarderai de mon côté oh là là mon dieu mais waouh Je suis désolée pour cette fin en larmes, mais c'était ça. Oh, c'était beau cette fin et de voir comment voilà ça se termine. Ça y est, c'est terminé. Il n'y en aura plus de vice versa. Voilà. Franchement, moi j'ai beaucoup aimé au final. J'ai beaucoup aimé. Je pensais vraiment, je dis la vérité, je pensais qu'il allait avoir plus d'images avec Homme et Nanon, mais j'ai compris que finalement Homme et Nanon n'étaient là que en personnage vraiment très secondaire, on va dire. Et qu'ils se sont vraiment axés sur Pouen et Talé. Voilà. Et leur histoire est belle au final. Et c'était pas facile, il y a eu des hauts et des bas. Franchement, moi j'ai le souvenir de Talé sur la plage tout seul qui attend. C'est pas facile, hein, vraiment. Pouen qui va tout le temps chez voir Homme et tout et qui n'est pas là. Et... Oh non, il y a eu des moments très difficiles. Mais ça a été franchement un bon boys-off quand même. Il y a eu quand même des acteurs. Moi, Up, vous savez, il est dans mon cœur. Voilà, il n'y a pas de souci. Nanon et Homme, voilà, vous savez aussi. Donc, c'est pas la peine de revenir dessus. L'idée d'univers comme ça et tout, je trouvais ça sympa aussi. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que vous avez passé un moment sympa avec moi à travers Vice Versa. Nous, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Et puis, à bientôt. Ciao, ciao, bisous. Ciao.